Bienvenue et bienvenue pour un petit haul. Ça sera un haul news et action, sachant que il n'y a pas forcément de nouveautés, c'est juste comme ça. Parce qu'en fait, personnellement, je sais pas ce qui est nouveau et pas nouveau. Je vais vous montrer quelque chose. Je sais que c'est pas nouveau, que c'est déjà passé dans plusieurs hauls. Mais voilà, moi je vais vous dire ce que j'ai trouvé, ce que je voulais acheter en fait, parce que j'achète plus tout comme avant, et je vais vous faire action et nos. Alors, pour commencer, alors je suis désolée pour le bruit, je vais regarder si je peux. Bon. Alors, j'ai pris une boîte comme ceci avec l'aisance grise. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Je vais relever un petit peu. Voilà, pour vous montrer, c'est celle-ci. Du coup, avec le couvercle, moi je vous montrerai un jour ce que j'ai toujours dit sur mon ancienne chaîne, mais je vous ai jamais montré mon coin bureau, sachant que je fais du scrap, de la couture et deux trois petites autres choses à côté. Enfin bref, donc je vous montrerai ça et ça, je m'en sers pour ranger. Et là, notamment, je l'ai acheté pour ranger les encres à alcool, pardon, que j'ai trouvé. J'en ai trouvé 2, 4, 8 couleurs. Alors, je pensais que c'était les mêmes, mais a priori, non. J'ai entendu dire que les paillettes n'étaient pas forcément top. J'ai essayé de prendre. Ouais, il y en a une qui est un peu abîmée. J'espère que ça va aller. Donc, j'ai pris à peu près tous les tons que j'avais trouvés. Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas dit le prix de la boîte. La boîte, c'est 2,39. Voilà, avec le couvercle. Donc, les encres là, je les ai trouvées. Donc, j'en ai trouvé 8 à 99 centimes. Donc, ça, je voudrais essayer de faire. Des petites créations avec. Voilà, j'ai jamais testé. Et donc, hop, tout simplement, je vais venir pour le moment les ranger ici. Donc, 99 centimes les encres. Hop. Je vais pas. Je vous montre vraiment ce qui est papeterie, loisirs créatifs, parce que j'ai des masques princesses. Donc, ça, je pense pas que ça vous intéresse vraiment. Après, si ça vous intéresse de voir plus, prochain haut, je pourrais vraiment faire plus, mais là. Non. Donc, je vous ai pas dit, c'est le Action de Moneto dans Lyon. Pas celui d'Auxerre. Hein, parce qu'il y en a un à Auxerre et un peu plus loin à Moneto. Moi, j'étais celui de Moneto. Et celui également de Joigny. Sachant que ce que je vais vous montrer à Joigny, il était également disponible à. Il y a deux articles que j'ai pris à Joigny. Mais c'était également disponible à Moneto. Donc, je prends cette colle que j'aime beaucoup, que je trouve très bien. Si vous avez vu un de mes. Enfin, vous allez voir dans mes tutos, elle va passer régulièrement normalement. Et cette colle-là, je suis en train de chercher. Création Colle Tout. Elle est à 89 centimes. Voilà. Ensuite, ma grande a pris un carnet comme ceci de croquis. Carnet de croquis, le grand. Il est à 2,19 €. Et il y a le plus petit qui est ici pour ma plus petite qui est à. Bonne question. Bonne question, bonne question. Moi, de toute façon, en général. Alors, je cherche. Hein. Non, 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 non. Oui, je sais, il y a ça aussi. Excusez-moi, je parle à ma fille qui est juste à côté qui me montre qu'elle m'avait prêt. J'ai pris, déjà pris, pardon, quelque chose. Et que Aussi. du coup, elle voulait me le montrer. Et ben, je ne trouve pas celui-là. Bon, bah, je sais pas. Je ne le retrouve pas. Bon, bah, voilà. Il y a celui-là, mais je ne retrouve pas le prix. Il y a un pot crayon. Un pot à stylo rond métal qui fait 9 sur 10 cm, qui coûtait 69 centimes pour mon fils. Donc le petit carnet qu'elle voulait vous montrer, c'est celui-ci qui valait. C'était dans lequel? Celui-là, dans le premier ou dans le deuxième? Il brille derrière, non. Non, mais c'est dans le premier ou dans le deuxième action? Je sais pas. Dans le Ouais, deuxième. c'est peut-être pour ça que je ne le retrouve pas sur cette liste-là. Ça brille ici et de l'autre côté, ça brille pas. Voilà. Et c'est quoi ici? 49 centimes et sa sœur, on en a un peu plus grand qui a coûté 59 centimes. Et du coup, je suis en train de me dire que ça, c'était dans le deuxième. Non, tu l'as pris dans le premier, le deuxième, tu sais plus non plus. Dans le deuxième? Bon, bref, non, ça oui, mais. Du coup, c'est ici. Ensuite, j'ai pris ces
petite caisse. J'en ai pris deux à 1,22€ si je ne me trompe pas. Je vérifie hein, parce que je ne veux pas vous montrer tout mon ticket de caisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la couleur... il n'arrive pas à stabiliser la couleur. Je suis désolée. Attendez. Voilà, on va faire ça. Je ne sais pas pourquoi il n'arrivait pas à stabiliser la couleur. Mais bon. Donc, les petites cassettes. Si je retrouve... Non. Et alors, j'ai une caissière qui a passé vraiment un article par un article. Et mon mari a pris plein de petites sachets de semences à 39 centimes. Et en fait, elle nous a limite passé un par un. Donc, voilà quoi. Non. Bah alors, et je l'ai vu en plus tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, c'est ça. Donc ça, c'est la boîte. Encre. Ça, non. Le carnet à croquis. Ah, le petit. Le petit carnet à croquis que je vous avais montré. Là, il a 96 centimes. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est 1,22€. Et en fait, hop, comme ceci. Et tout simplement... 2 secondes, s'il te plaît. Hop. Quand j'aurai fini ma vidéo. Je suis désolée, j'ai ma grande qui m'appelle. C'est pas urgent. Bon, je vais pas y arriver. Voilà, je vais me mettre là. Ça sera plus facile pour moi. C'est pas compliqué. Oh. Voilà. Faut juste que je sois devant. Pour que ce soit plus facile. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et j'en ai déjà une autre de montée. Et en fait, vous pouvez... Bon, là, vous allez voir des choses à l'intérieur. Il n'y a plus grand-chose. Normalement, vous pouvez les empiler. Voilà. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je les mets de... Je vais les mettre les unes à côté des autres. Et je mets mon bullet et mes projets en cours. Voilà. Donc ça, j'en ai pris deux. Et c'était à 1,22€ pièce. Voilà. Ensuite, des cahiers de brouillon pour l'école, pour les enfants. Ainsi que... un cahier d'exercice pour les maths pour mes enfants. Je vous donne pas les prix, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Voilà. Et ma fille m'a demandé ceci pour un cadeau. Donc c'est un planeur. Il était en 3 couleurs, en bleu, enfin bleu, un bleu vert un peu et un gris. Et le planificateur spirale à 3,49€. Et je vais vous montrer l'intérieur vite fait. Donc, nous avons des autocollants lettres. Là, en fait, c'est une pochette, tout simplement. Vous voyez, il y a des choses. Et franchement, il est sympa. Des idées. Voilà. Pour le mois, pour la semaine. Des tout doux. Là, il y a des petits points, il y a des traits. Et je crois que j'avais vu qu'il y avait d'autres choses. Voilà, là, il y a encore des autocollants, je crois. Voilà. Donc, il est sympa. Vraiment. Hop. Je pense que j'aurais peut-être dû m'en prendre un. Parce que si j'ai pas le temps de faire mon bullet le prochain, ça aurait pu me dépanner. Mais bon. J'ai tellement de choses que faut arrêter un moment d'acheter. Hein. Pour action. Non, j'ai pas fini. Dans le deuxième, j'ai trouvé le fameux que tout le monde connaît. Art Journal. Donc, ça, c'était dans le deuxième. Il y a beaucoup moins de choses. Ça va être beaucoup plus facile à trouver normalement. Alors attendez, non, en fait c'est pas plus facile à trouver. Non, j'y arrive. Art Journal, 1,99€, mais tout le monde le connaît. Hein. De toute façon, je vous le remonte, mais voilà, avec des feuilles un peu texturées, épaisses. Donc je ne l'avais jamais acheté, j'ai dit allez hop, on va tester. Et j'ai acheté la fameuse planche magnétique. Voilà, en format A4. En fait, je l'avais vu dans le premier action. Et j'ai pas tilté. Faut dire ce qu'il y a, que j'avais pas tilté que c'était ça. Donc je me suis dit bon. Alors magnétique, 6 pièces. Checker boîte. C'est pas ça. Non, je pense pas que ça soit ça. Attendez. Non, du tout. Panier, carnet. Palette. D'accord, checker boîte. Bah écoutez, je sais pas, mais elle était pas bien chère, ça c'est sûr. Étagère.
Je cherche. Non, ça, non. Bah, je pense, hein, j'ai un... Ah, bah non, c'est de stenciling magnétique 6 pièces. Est-ce que ça serait ça? Bah si, je pense que c'est ça. Hein. Bah si, si, c'est ça. Je l'ai. Alors, 6 pièces, et elle valait 3,99 €. Donc, je vais la déballer avec vous. Je vais reculer un petit peu. Donc, elle était bien protégée. J'ai fait attention, j'ai pris une qui n'était vraiment pas ouverte. Hein. Oui, c'est ça, 6 pièces. Donc, on a la plaque ici. On a la règle qui est très aimantée, mais qui est vraiment toute, toute fine. Hein. J'en ai une un peu plus épaisse. Et nous avons des méga aimants. Vous voyez? Et là, la notice. Voilà. Donc, ouais, pour les mettre les pochoirs et tout, ça va être pas mal. Donc, hop, je l'arrangerai après aussi. Donc, voilà, elle est à 3,99 €. Et maintenant, je vais passer à Noz. J'étais à Noz de Joigny. Donc, toujours dans Lyon. Sachant que j'avais été dans celui d'Auxerre il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais pas trouvé grand-chose. Donc, là, j'ai pris un carnet comme ceci à 2,50 €. Ce qui est bien à nous, c'est que les prix sont écrits dessus. Il est très joli. Je suis désolée pour le bruit. Voilà. Hop, là, c'est le devant. Et il est ligné, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Ensuite, j'ai pris ceci. Un board, un masque, en fait. En forme de ticket. À 59 centimes. Donc, je ne connais pas du tout la marque. Et c'était vraiment tout mélangé. Donc... Mais voilà. J'ai pris un kit pour faire un bandeau et un scrunchie, tout simplement, à 3,99 €. Je n'ai pas du tout regardé. Ça, si vous voulez, je pourrais vous le faire en vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Vous voyez, il y a deux tissus. Normalement, il y a les explications pour le faire et... Ouais, dedans il y a d'autres choses. Mais si vous voulez que je vous le fasse en vidéo, bah un petit commentaire et puis je me ferai un plaisir de vous faire ça. A priori, c'est sans machine. Parce que dedans, il marque qu'il y a le tissu, l'élastique, l'aiguille, le fil, le manuel d'utilisation de l'utilisateur et le schéma de coupe. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de machine. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je peux vous montrer. Donc, il était à 3,99 €. Bon, pas 4 €. J'ai pris deux petits kits comme ça de Diamond Painting. Cela me fait penser à ceux qu'on avait à Action, fut un moment. Que d'ailleurs, une de mes filles avait pris. À 2 € décoté à moins 60%. Donc, vous faites le calcul. J'en ai trouvé que deux. Donc, j'en ai pris que deux. J'ai pris également ce dice de Creative Expression à 2,99 €. En fait, il est là. C'est un lot de 3 dice, comme vous pouvez voir. Il y a le central et chaque côté, parce que vous pouvez faire ou pour le bas, ou comme ceci, suivant comment vous voulez faire votre découpe. Ensuite, j'ai pris un pochoir. Ouais, un pochoir de marque Artemio. Ils avaient plus de choix à Action à Joigny qu'à Action à Auxerre. Hein. Donc à 99 centimes aussi. Il est très joli. J'ai trouvé, alors ça a bougé, mais voilà, une planche comme ceci sur le café. Mon mari étant un grand fan de café, je me suis dit, je vais le prendre, ça peut être marrant. Donc à 2,99 €, vous avez des ronds, pause café, l'heure du café, coffee coffee, cappuccino, mocha, latte, ça c'est plus pour moi. Donc voilà, pour 2,99 €. Et pour finir, j'ai pris, donc comme je vous ai dit, je faisais un peu de couture, j'ai pris ceci. C'est des lots de deux à chaque fois, 1,99 €. Et eux, donc c'est du synthétique, hein, c'est pas du comment. Enfin, bref, vous m'avez compris. C'est Studio Light qui fait ça. C'est un lot de deux coupons. Hop, on va tricher, on va le sortir comme ceci. Voilà, à chaque fois, c'est deux coupons. Et eux, à l'arrière, hop, ils vous montrent que vous pouvez faire, par exemple, ceci. D'ailleurs, je pourrais en faire un.
C'est une très bonne idée pour faire une jolie couverture de carnet. Et donc ça, c'est Studio Light et il est vendu à 1,99€. Donc j'ai trouvé marron et un dans les tons lilas. Voilà pour ce petit haul Action Nose. Moi, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez qu'on fasse ceci ensemble, dites-le moi en commentaire. Là, je pense qu'un tuto, viendra pour un carnet et peut-être une pochette assortie. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.